Ben moi je suis un petit peu stressée parce que je me dis qu'est-ce qu'ils vont me mettre dans l'assiette. Je sais pas du tout. Et puis je suis vraiment hyper mauvaise en ce qui concerne de deviner les goûts à chaque fois. Donc ça je sais que je vais vraiment pas y arriver. Par contre toi tu vas peut-être y arriver. Alors moi j'aime bien ce genre d'expérience dans le noir et surtout qu'on pourra se concentrer sur un seul sens. Du coup j'ai hâte. Mais c'est juste que je sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on a le droit de bouger? Est-ce qu'on n'a pas le droit de bouger? Non, ça marche comment? On va rentrer vers le final 2. Ouais, ça dit là. Voilà. J'ai hâte. Ça va être super chouette. Ah, ça va être rigolo. Non, pour moi, c'est une première. Pour moi, c'est une deuxième. Ah, génial. Donc, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Après, manger dans le noir, ça fout un peu de goût. Alors ce qui est bien, c'est que moi j'ai fait ça une fois, donc je suis habillée en noir. Parce que quand t'es dans le noir, tu en mets un peu partout. Donc c'était pas le meilleur choix d'être en blanc. Non, en général ça va. C'est vrai? Je vais pas me mettre partout. Non. À part si vous êtes vraiment pas doué, mais... Non, ça va bien se passer. Ah, c'est possible. Ah, c'est possible. Mais tu vas voir comme tout va être décuplé. Alors tu vas humer, tu vas sentir, tu vas goûter, tu vas appréhender la chose. D'accord. Donc en fait, ouais, tout sera décuplé et... Non, mais sérieux, je... Non, c'est... C'est l'essence qui sont totalement. Ouais, c'est ça. C'est une expérience extraordinaire. Bah franchement, j'ai hâte. On a hâte. Ah non, j'ai vraiment hâte. Ouais, je vais essayer moi. On est prêtes. On a beaucoup parlé. Dans le noir, on parle beaucoup. Ouais. J'ai commencé un petit peu à paniquer parce que j'avais jamais fait ça en fait auparavant. Ça s'est bien passé. Très bien. Oui, ils nous prennent bien en main. Voilà. Ils sont bien à l'écoute. Ce que j'ai beaucoup aimé sur cette expérience, c'est le fait de discuter avec d'autres gens que je connaissais pas. On a mis l'animation, on avait une serveuse adorable. On est beaucoup plus détendu, je trouve, dans le noir. On a fait connaissance avec les personnes qui étaient à côté à table. On a bien fait connaissance. C'est très sympa. Ouais. C'était super sympa. Ça allait beaucoup mieux. En fait, à partir du moment où j'ai pu me servir un peu d'eau, où j'ai pu me détendre sur une chaise. Aussi, l'autre aspect, c'est le fait d'être servi par des guides non-voyants et avec un service impeccable. Et puis on était là en train de... Enfin, moi, personnellement, j'étais comme ça, puis comme ça. C'était genre exceptionnel, c'était trop bon. Manger avec les doigts, tout de suite, tout le temps. Ah ouais, non, c'est... Ouais, non. Vous avez apprécié ça, de manger avec les doigts? Ouais, c'est une nouvelle expérience, ouais. Et donc, c'est super intéressant, c'est une belle aventure humaine, en fait. Franchement, je recommande, mais à 100%. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bravo.